Ils ont tapé à la porte de l'appartement à six heures du matin. La police. Elle était déjà réveillée. Elle préparait le café des parents qui dorment. Elle a entendu taper doucement à la porte de Toc Toc à l'entrée du F5 bloc H, rue des Peupliers. Elle a huit ans et demi, un mètre trente-deux. Ils vivent au rez-de-chaussée, ici. Elle entrouvre la porte de l'appartement lentement avec son bras, car il ne fallait pas perturber le monde dans ses songes. Ils rêvent du soleil, eux. Ils rêvent de dormir encore vers la fin de leurs rêves, la fin de la nuit. Seulement c'est bientôt la fin du rêve dans leur chambre de zone urbaine sans arbres. Des arbres entre les voitures des parkings, peut-être. Les parkings et les arbres dorment aussi. Ils sont chaos comme tout le monde. Ils attendent les gens, les arbres et les caisses d'ici, ils attendent la population. Il faudra se réveiller et continuer la mélodie, la vie mécanique de tous nos moteurs, la ville, les routes, et mettre de l'essence, et parler, faire n'importe quel geste dans la journée pour dire aux autres qu'on est vivant, aux arbres même. Le dire. C'est elle devant la porte d'entrée qui ouvre à des gens son bras d'enfant qui fait du café, et qui ouvre à quelqu'un de dehors. Dehors, là où il faut faire attention à la race des hommes du vent. Elle sait ça. Elle lève la tête et ses yeux vers lui. Il y a une tête d'homme qui s'approche de son nez. Il est plus grand qu'elle. C'est un policier adulte. Il a des cheveux gris un peu longs, même et lisses. Il a une tête légèrement carrée. Il ressemble à M. Michel, le concierge du quartier. C'est sa tête de policier sur le palier du rez-de-chaussée de sa mère et son père. Elle ferme les poings, les mains au parfum café serré. Allez, va, serre le café avec ton cœur de fillette, ce café à ton père, le travailleur de la baraque. Mais le café de son père brûle sur la cuisinière. Ça sent l'odeur du cramé à six heures du matin. Le flic sourit. Elle le regarde dans les yeux. C'est la première fois qu'elle voit un flic de si près. Ça fait bizarre cette tête carrée sur le palier à la fin de la nuit c'est presque rigolo mais elle enferme et étouffe le souffle de son rire dans son ventre elle est défavorable au rire elle sent ça. Elle n'a pas l'habitude de rencontrer ce genre d'homme elle le sait. C'est nouveau pour elle ce moment. Il porte une veste en cuir marron. Il lui montre sa carte de policier. Elle ne dit rien. Elle observe seulement la tête de la carte de police française. La photographie sur la carte c'est le policier jeune. Elle trouve cette fois qu'il ressemble à Thierry, le fils de monsieur Michel, le concierge. Elle trouve que c'est drôle de ressembler à Thierry à six heures du matin quand même. Elle ne comprend pas pourquoi tout est étrange au rez de-chaussée depuis que ces gens ont tapé à la porte de sa famille. En plus à six heures du matin. Les oiseaux dans les branches des trois peupliers de sa rue. La cité ronfle encore c'est la fin du chant des tourterelles bientôt. Ces saccages d'escaliers avec ces gens qui font un peu peur avec leurs têtes carrées ils veulent quelque chose. Ils souhaitent parler à quelqu'un. D'abord à elle. En plus du policier, il y a d'autres policiers. Elle les voit derrière lui. Les autres policiers ne parlent pas. Ils sont grands et gros, avec la même bouche chacun, la même mâchoire, le même sourire que le policier aux cheveux gris. Les policiers de la Drôme en 1982. Ils lui font coucou avec leurs mains de policier. Elle devient rouge. Elle a peur dans ses jambes nues. Elle ne sait pas quoi dire à ce policier venu du dehors de la cité. C'est sa cité. Elle connaît toutes les rues et les voisins de sa cité à huit ans et demi. Elle circule à vélo avec son sandwich dans la main d'habitude dans la cité, un sandwich au beurre et au sucre. Pourquoi ils ont tapé à sa porte si tôt? Le policier lui demande si son père est dans l'appartement. Elle répond qu'il dort. Le policier lui demande s'il peut rentrer dans la maison. Elle réfléchit et demande au policier d'attendre sur le palier. Elle veut réveiller ses parents. Le policier lui prend la main, elle recule, il entre dans l'appartement, il lui tient maintenant la main dans la cuisine, une cuisine en mur de carton, un lieu de vie. Son père entend la voix du policier dans la cuisine, il sort de son lit, s'habille et va rejoindre la cuisine, la fillette et les policiers. Le policier aux cheveux gris lâche la main de la fille du papa. Le papa a des crottes dans les yeux, il cligne de l'œil. Elle remarque que son papa peut cligner de l'œil à cause d'une crotte dans les yeux. C'est l'aube. Son père porte un marcel et un pyjama en bas. Il est pieds nus. Il fait un tourniquet avec ses mains pour demander quel est l'objet de leur présence. Le policier demande au papa d'aller se préparer et de le suivre au commissariat pour une affaire le concernant. Elle écoute. Elle essaye en cachette de faire un tourniquet avec ses mains dans son dos d'enfant. Le papa insiste auprès du policier. Il veut savoir ce qu'il a fait. Le papa a un accent de Maghrébin. Il roule les airs. Les policiers sont restés dans leurs vestes en cuir. Maintenant, ils se frottent les mains doucement. Ils regardent cette famille. La famille est complète. Il y a la famille et la police dans la cuisine. Personne ne parle par moment. La mère chuchote dans la chambre éteinte, dans la pénombre de la pièce, leurs silhouettes de parents maintenant s'expriment dans l'obscurité. C'est un couple qui souhaite comprendre. Son mari enfile un pantalon en tergale gris et une veste en tergale gris clair. Sa femme voudrait comprendre ce qui se passe. Elle lui demande cela en faisant des gestes avec ses bras et ses mains dans la chambre à coucher sans lumière. Elle dit qu'elle a peur et que c'est honteux de voir cette police ici, devant les voisins. Elle se tape le visage et se griffe les joues près de sa coiffeuse. Elle le fait lentement, dans le silence. Plus personne n'émet de son dans la cuisine ou dans la chambre. Le papa sort avec la police. Ils sont sur le parking. Le papa a une moustache. Il a honte de monter dans la voiture des flics. Il a honte de porter une moustache. Il ne regarde pas sa famille, pourtant tous à la fenêtre. Ils ne l'ont pas accompagné pour éviter de réveiller les voisins. Elle croit que son père est un bandit maintenant qu'il est dans une voiture de police. Elle est abasourdie. C'est la première fois de sa vie d'enfant qu'elle est autant abasourdie, chaos, à huit ans et demi. La mère ferme tous les volets de l'appartement. Ils attendent son retour maintenant. Il est dans le bureau du chef de police. Le chef lui tend un papier et une photographie. Le papa reconnaît son véhicule de travail. Le chef de police semble soudain heureux. Il sourit au papa et lui signale qu'il a grillé deux feux rouges à Valence. Il y a une semaine. Le papa ne dit rien. Il croyait qu'il était chez les Flics pour une autre raison, une raison grave. Il croyait qu'il avait tué sa mère ou violé une Française qui ne voulait pas. Ce genre d'histoire grave dont le papa a peur. Le policier lui demande de ne pas recommencer à griller les feux rouges à Valence ou ailleurs. Il dit au papa qu'ici c'est la France, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur les routes. Il lui rappelle que le papa a un statut de papa, et que quand on est papa, on prend ses responsabilités, on ne grille pas les feux, même si les feux sont lents à passer au vert. Le papa écoute et serre les dents. Il repense à ses moustaches qui rentraient dans le véhicule de flic tout à l'heure, devant sa femme et ses enfants. Ils pensent que ses enfants inscriront dans leur crâne à jamais l'histoire de leur papa embarqué un matin par cinq flics pour un feu lent. Il rentre à la maison, les volets restent fermés, ses enfants regardent la télévision, ils ne regardent pas le papa qui revient de chez les flics. On fait comme s'il n'était pas parti ce matin avec les flics. Le papa se change et s'en va à son travail, sur une route quelconque. Il sort de l'immeuble avec son bleu de travail. Il croise sa fillette. Elle fait des tourniquets avec ses mains devant l'immeuble.